C'est un nouveau souffle que vient chercher le RIAFP, le réseau international des agences francophones de promotion d'investissement à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Son assemblée générale extraordinaire, la seconde depuis sa création en 2010, qui s'ouvre ce lundi, vise à le doter de tests, d'organes de gestion et de direction. Il s'agit d'une rencontre bilan et proposition qui a pour objectif non seulement d'élaborer des stratégies communes, mais aussi de tirer profit de l'expérience de chaque État membre de ce réseau international. Le RIAFP se veut être une plateforme de change, une plateforme de concertation, une plateforme de renforcement des capacités et une plateforme, je dirais, de renforcement de nos liens, de sorte à pouvoir apporter, plus d'action dans les programmes de nos différentes agences. Pour le CEPIC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire qui accueille l'Assemblée, l'heure est venue pour les agences de promotion de jouer un rôle plus important dans le développement économique des pays francophones. L'agence de promotion de l'investissement a son rôle dans l'environnement économique et a son rôle dans les stratégies de développement économique de nos pays, qui, dans le monde francophone, la plupart sont tous des pays en voie de développement. Alors pour nous, c'est aussi un moyen d'avoir une voix qui va permettre de dire à nos autorités, attention, les agents de promotion sont importants pour vous. Au lendemain du forum ICI 2014, organisé en février dernier et qui a enregistré des intentions d'investissement évaluées à plus de 400 milliards de francs CFA, le CEPIC se donne un nouveau challenge, sa participation effective à la relance des activités des agents chargés de la promotion des investissements au plan national et international dans l'espace francophone.